Aujourd'hui, il y a beaucoup de nouvelles. Principalement, on va parler du climat. Nous sommes en une journée très chaude, mais demain, il fera froid. Pensez-vous sortir avec froid? Je ne pense pas. Bon, voyons comment le thème sera donné par notre partenaire Frida. Merci Devani, je suis d'accord avec toi, partenaire. Bon, comme nous pouvons voir maintenant, cette semaine, c'est très agréable. Elle commence aujourd'hui avec une température maximale de 16 degrés et un minimum de 12 degrés. C'est parfait pour sortir de la maison avec un pull. Les jours suivants, ils ont l'air un peu plus chauds avec une température maximale de 22, 26, 33 et 24 degrés. Mais avec un minimum assez froid de 14, 17, 18 et 13 degrés. Car nous aurons un maximum de 20 et 1 degrés comme un maximum et un minimum de 9 degrés comme minimum pour lundi, que c'est le jour plus froid de la semaine. Comme nous avons pu le constater, il y aura beaucoup d'air frais cette semaine. Il ne fera pas de mal de sortir de la maison aujourd'hui. Nous revenons avec toi, Ivani. Maintenant, aimez-vous l'air sport? A été-vous une bonne compétition entre les équipes? Nous allons voir les matchs que notre partenaire Rolando va nous présenter. Bonjour, je suis Rolando. Aujourd'hui, dans la célèbre section de sport, nous avons la nouveauté de 8 équipes classé dans la Ligue MX. América, Santos, Tigres, León, Querétaro, Morelia, Necaxa. El last minute, Rayados, que no consideraron personalmente como un candidato puissant por reporte le championnat, malgré un torneo avec de problemas, tels le changement de director técnico. Il a pu entrer dans la phase suivante. Leo son mon équipe préférée. Aujourd'hui également, ils ont affronté plusieurs équipes de la Champions League, ou le Real Madrid, qui a gagné le duel précédent avec le PSG, terminé 2-2. Et la Juventus a remporté une difficile victoire contre l'Atlético de Madrid, de 1-0. Au revoir! Aussi, nous avons beaucoup de nouvelles dans Monterrey. Bon et mauvais. Savez-vous ce qui s'est passé? Bon, si vous ne savez pas, notre partenaire Rogelio va nous dire les nouvelles locales. Bonjour et bienvenue à nos nouvelles locales. Je suis Rogelio Calderon et aujourd'hui, la police mexicaine nous surprend encore pour arrêter un homme qui avait déjà été arrêté 198 fois. Cet homme qui s'appelle David, 39 ans, a été arrêté maintenant à la colonie Azteca dans la commune de Guadalupe, Nuevo León, où il a essayé de commettre un assaut sur une esthétique. David a accumulé 199 pour crimes et infractions administratives, parmi lesquels firent outre les vols, les attaques contre les pudeurs et les ports d'air privés. Les détenus sont à la disposition des autorités pour tentative de vol en main armée. C'est ridicule, mais heureusement, il est déjà arrêté et son verdict est attendu. Merci beaucoup pour votre attention. Et finalement, si vous ne connaissez pas ce qui s'est passé dans le monde, les nouvelles seront présentées par notre partenaire Mario. Mon nom c'est Mario. Dans les États-Unis, le vendredi se lève ce week-end. C'est un week-end où les magasins font lieu au milieu offert, surtout les petits kids vendants. Et ce jour, les magasins sont pleins de gens. Ils cherchent à trouver le meilleur offert en raison du grand nombre de personnes. Des combats et des basculades sont causés et cela devient dangereux. Les gens campent
aussi quelques jours avant le Black Friday. C'était ça, ici dans les nouvelles. À demain.